pour se réveiller un peu. Ça, c'est vraiment la même forme, je pense. Je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble. Moi, je réfléchis parce que nous, j'ai envie de faire un bel live, pourquoi pas. Et je crois que le skitsin peut encore dire des choses. Moi, je réfléchis à un gars, je dois en tout cas courir pas de temps. Alors, on va faire un effort. Peut-être que c'est ce que c'est le cas de ce qu'on Je crois que vous avez tous envie qu'on prie pour vous, n'est-ce pas? Non, on n'est pas assez, vous pouvez nous expliquer ça, la tous les mêmes pour nous aider, non pas? Alors je vais vous donner une bonne nouvelle. On t'a donné, si vous n'êtes pas dans le chien, vous vous dites, on ne va pas prier sur vous. Mais c'est vous, mais espérez aussi. Parce que je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Je veux dire, la messe comme pour ça, l'autre. On peut, mais voilà, travailler sur soi-même. Strada, pas sur soi-même. Pas. Parce que sinon, on reste encore dépendant des autres pour nos progrès personnels. Si t'as la messe, je crois, à plus de matériel, pour ça, aux personnes, et vos progrès sont vers le matériel, non, si t'es. Et Dieu veut qu'on soit des adultes et non pas des enfants. Et vous avez remarqué, je ne prie pas beaucoup sur des personnes. Ce n'est pas parce que je n'aime pas faire ça. Quelquefois j'ai beaucoup envie. Mais le Seigneur veut que j'enseigne quelque chose d'autre. Bet kungs vēlas, lai es kaut ko citu mācītu. Et que j'enseigne aux personnes à ne pas demander la prière aux autres de manière trop superstitieuse. Un es lai mācītu to, ka lai viņi nelūdz aizlūkšanu no citiem cilvēkiem tādā, var teikt, mācīgā veidā. Ou d'une manière trop infantile. Vai tādā bērnišķīgā veidā. Il nous appelle à devenir des adultes en Christ. Jo Dievs ir aicinājis mūs kļūt par pieaugušajiem Kristu. C'est mon expérience personnelle. Tā ir mana personīgā pieredze. Quand j'allais dans des sessions, kad es gāju devos šādā sesijā, j'espérais toujours que l'orateur va prier pour moi. Es vienmēr cerēju, ka tas galvenais runātājs aizlūgtu par mani. Il y avait même cette missionnaire d'Afrique, Heidi Becker. Heidi Becker, no Afrikas misionāre. Elle était tellement remplie d'esprit. Viņa bija tik pietuvināta ar Svēto Garu, que je voulais la toucher. Un es gribēju vienkārši pieskarties. Et je me mettais sous les chaises. Un es līdzi zem krēsliem. Pour la toucher. Lai viņai pieskartos. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez de quoi est-ce qu'on a? Et un jour, au cas de Dieu, elle était toute seule dans un coin. Mais il y avait une patte de cas à sourire. Et moi, mais ça. Je faisais des travaux d'un proche. Mais ça, mais vous savez, ça a pu le dire, c'est tout votre ça. C'est elle qui est venue vers moi. Pêche, mais il n'a pas mis. Elle m'a pris comme ça. Oui, mon appétit. Et elle fait. Oui, t'as. Oh. Vous êtes rempli d'esprit. Ça vient de se perdre des choses à ton cœur. J'ai compris des choses ce jour-là. Je l'ai dit, non, ça peut être lié. Ce n'est pas elle qui a fait l'Esprit Saint. Non, mais elle est Svētā Gara. Oui, elle est Svētā Gara. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Et vous aussi. Et vous aussi. Vous êtes remplis de Dieu. Ça, c'est pépildé de Svētā Gara. Vous êtes remplis de tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes pépildé de Dieu. Pour guérir vous-même. Qu'est-ce que vous n'avez pas de chance, là, vous pas de dziedināt. J'espère que vous avez appris ça. Un es ceru, ka jūs būsiet iemācījušies to šajā nedēļas nogalē. Que vous avez une autorité. Ka jums ir autoritāte. Vous dites
dites aux démons, tu sors. Jūs pasakiet ļaunajiem gariem, tu izeji. Vous dites aux mensonges, stop. Jūs sakiet meliem, stop, pietiek. Personne ne peut le faire à votre place. Un neviens to nevar izdarīt jūsu vietā. Même si quelqu'un de très rempli d'onction, pat ja kāds ļoti svaidīts cilvēks, si cette personne dit, je veux que les liens soient coupés entre toi et quelqu'un d'autre, teiks, piemēram, es gribu, lai tiek pārcirstas saites starp tevi un kādu, piemēram, cilvēku. Ça ne veut pas dire que ça sera coupé. Tas vēl nenozīmē, ka tās saites tiešām tiks pārcirstas. Si vous ne l'avez pas fait vous-même, ja jūs paši to neesat izdarījuši, vous-même, jūs paši personīgi. Ir jā, jā, atdomē. Ir jā, kas ir jādod. Je veux le faire moi. Ja, es pats to je prends ma vie en main, je ne suis plus un enfant. Es paņemu savu dzīvi savās rokās. Je ne dépends pas des autres pour mon existence. Es neesmu vairs bērns, neesmu atkarīgs no man eksistences, nav atkarīga no citiem. J'ai une connexion directe avec le Seigneur. Man ir tieši saikne ar Dievu. Direct. Tiešā saikne. Et Dieu veut que nous soyons ces êtres exceptionnels là. Un Dievs vēlās, lai mēs būtu šādas īpašas būtnes. Il n'y a pas certaines personnes privilégiées. Nav kāda privileģēta cilvēki. Et puis les autres. Un citi tad pārējie. Non, nous sommes tous des personnes privilégiées. Mēs visi esam šie privileģēti īpašie cilvēki. Amen? Amen! Donc c'est important, hein, d'accord? Tas ir svarīgi. Après, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'aide dans la prière. Protams, jā, mums var būt vajadzība pēc palīdzības lūkšanā, aizlūkšanā. Mais à condition qu'on collabore personnellement. Bet ar nosacījumu, ka mēs paši līdzdarbojamies tajā. Et puis qu'on continue. Un ka mēs turpinam. Soi-même. Paši darboties, strādāt pie šīm lietām. Amen. Amen. Alors c'est vrai que Marie-Louise, elle prie pour les personnes. Jā, Marie-Louise, viņa aizlūdz par cilvēkiem. Viņa ir charizma, priekš tā. Et donc elle m'accompagne pour ça. Un tāpēc arī viņa ir kopā ar mani brauc. Sei, un peu, quelles sont les personnes qui ont le besoin. Viņa arī redz, kuri ir cilvēki, kuriem ir kādas vajadzības. Mais si personne n'a prié pour vous. Bet, ja piemēram, neviens par jums nav aizlūdzis. Ne partez pas en étant triste. Nedodieties prom no šīm rekolekcijām bēdīgi. Comme si Dieu ne vous aimait pas. It kā Dievs jūs nemīlētu. Comme si vous avez laissé tomber. It kā viņš būtu jūs atstājis. Non, non. Nē, nē. Il vous considère comme des adultes. Viņš jūs vienkārši uzskata par pieaugušiem. Il veut vous bénir. Viņš grib jūs svētīt. Personnellement. Personnellement. Hein? Vous le croyez? Vai jūs tam ticat? Personnellement. Personnellement. Il tient à vous. Un viņš tiešām rūpējas un viņš ir pieķēries jums. Vous savez, il faut qu'on fasse très attention à ce qui est émotionnel en vous. Un vajag ļoti uzmanīgi attiekties par to, kas ir emocionāls mūsos. Nous avons tous peur d'être abandonnés. Mums visiem ir bail, ka mēs tiksim pamesti atstāti. Nous avons souvent été abandonnés. Un bieži vien mēs arī esam tikuši atstāti. Nous avons souvent été rejetés. Atgrūsti. Nous ne nous sommes pas sentis aimés. Mēs esam jūtušies nemīlēti. Et cela fait de nous des enfants qui gémissent. Un tā, mēs kļūstam par tādiem mīdētāju bērniem. Et qui cherchent à ce qu'on s'occupe d'eux. Un ka mēs meklējam, ka kāds tagad par mums parūpēsies. Et qu'on leur donne de l'affection. Un ka dos maigumu. Et qu'on leur donne notre attention. Dos pievērsīs uzmanību. Et si on est comme ça, ja mēs esam si on reste enfant comme ça, mēs paliekam ar vienu šādu bērnu, Dieu ne pourra pas se servir de nous comme Dievs nevarēs mūs lietot tādā veidā, kā viņš vēlās. Il a besoin d'adultes. Viņam ir vajadzīgs pieaugušs cilvēks. Parce qu'il a besoin de nous. Viņam ir vajadzīgi mēs. Attention, c'est pas nous qui avons besoin de lui. Nevis tikai mums ir viņš vajadzīgs. Il a besoin de nous. Bet viņam esam vajadzīgi mēs. Et il veut qu'on devienne adulte le plus vite possible. Un viņš grib, lai mēs kļūtu par pieaugušajiem, bet cēs pēc ātrāk. Nous sommes tous adultes, ça. Mēs visi esam pieauguši. Et voilà qu'en nous, il y a beaucoup d'immaturité. Bet mūsos vēl ir tik daudz nenobriedušā. Une immaturité affective. Mūsu, teiksim, jūtas, emocijas ir nenobriedušas. Qui fait que nous dépendons des autres pour notre bonheur. Ka mēs tādā veidā esam atkarīgi, mūsu laime ir atkarīga no citiem cilvēkiem. Et nous sommes en train d'attendre. Un mēs gaidām.
Vai viņš paskatījās uz mani? Vai viņš man nepaskatījās? Vai viņš pasmaidīja? Vai viņš man pieskatījās? Vai viņš man pieskatījās? Vai viņš domā par mani? Varbūt viņš man nemīl? Ça c'est de l'infantilisation. Tā ir tāda infantilizācija. Dieu veut qu'on soit adulte. Bet Dievs grib, lai mēs būtu pieauguši. Même si tout le monde m'abandonne. Pat ja visi mani pamet. Lui ne m'abandonne pas. Viņš mani nepamet. Il ne m'abandonne pas. Viņš mani nepamet. Il est toujours là. Viņš vienmēr ir toujours. Vienmēr. Toujours. Toujours. Vienmēr. Même si j'ai péché. Même si j'ai péché gravement. Pat ja es esmu smagi sagrēkojis. Oui. Très bien. Oui, très bien. Il est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Il est venu pour nous parce que nous sommes pécheurs et non pas parce que nous sommes justes. Viņš ir nācis pie mums tāpēc, ka mēs esam grēcinieki un nevis taisnīgi. C'est quelque chose que j'ai appris de André Comiskey, je pense. Es man liekas, to esmu mācījies no André Comiskey. Ou Mario Bergner. Vai Mario Bergner. Qui a écrit sur l'homosexualité, comment guérir dans notre identité. Et il disait que quand il péchait, par exemple, quand il pratiquait la masturbation, qu'ensuite il était très culpabilisé. Mais c'était une addiction. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Jo viņš nevarēja tikt no tā vaļā. Alors, il disait que le problème, c'était pas seulement qu'il avait cette addiction. Un viņš teica, problēma bija ne tikai tajā, ka viņam bija šī atkarība. Mais le problème, c'était que pendant qu'il faisait ça, il croyait que Dieu n'était pas là. Bet problēma bija tajā, ka viņš viņam likās tā, ka tad, kad viņš to dara, Dievs tur nav klātsošs. Il avait donc une double vie. Viņam bija kā dubulta dzīve. Quelquefois avec Dieu, dažkārt ar Dievu, et quelquefois sans Dieu, dažkārt bez Dieva. Et Dieu l'a enseigné. Un Dievs viņam mācīja. Il lui a dit, même quand tu fais ça, je suis là. Jo pat tad, kad tu to dari, es esmu klātesošs. Je t'aime. Un es tev mīlu. Je te juge pas. Es tev netiesāju. Je te dis rien. Es tev neko nesaku. Je t'aime seulement. Es vienkārši tevi mīlu. Pour lui, c'était une grande découverte. Un viņam tas bija liels atklājums. Et je crois que ce matin, il faut que je dise. Man liekas, ka arī šodien man tas jāpasaka. C'est ce qui lui a permis de guérir. Un tas arī viņam palīdzēja tik dziedinātam. Il s'est rendu compte que au moment où il péchait, ka viņš atskāra to, ka tajā brīdī, kad viņš grēko, il était séparé de Dieu, viņš tika atšķirts no Dieva, parce qu'il se séparait de lui-même. Tāpēc, ka viņš pats sevi no Dieva nošķīra. Comme s'il était une autre personne. It kā viņš būtu kāda cita persona. Alors qu'il était lui-même. Bet viņš taču ir viņš pats. Et donc là, il a compris qu'il fallait qu'il respecte sa propre personne. Un viņš saprata, ka viņam ir jāciena pašam sava persona. Et qu'il fallait pas qu'il se trahisse. Un ka viņš nedrīkst sevi nodot. Et c'est comme ça qu'il a guéri. Un tādā veidā viņš tika arī dziedināts. Il s'est fait à lui-même miséricorde. Viņš pats kļuva žēlsirdīgs pret sevi. Quand il s'adonnait à la masturbation. Kad viņš nodevās masturbācijai. Il savait qu'il fallait qu'il soit guéri de ça. Viņš zināja, ka viņam jātiek no tā dziedinātam. Mais il ne se condamnait pas lui-même. Bet viņš netiesāja pats sevi. En disant, tu vois, encore une fois, tu es nul. Tu redzi atkal un tu vispār nekas neesi. Tu n'arriveras jamais. Tev nekad neizdosies. Comment Dieu peut t'aimer? Un kā tad Dievs var tev mīlēt? Et comment je peux regarder les autres? Un kā es varu tagad skatīties citiem cilvēkiem acīs? Il a cessé de faire ça. Un viņš pārstrauc to darīt. Il s'est aimé lui-même. Viņš sāka mīlēt pats sevi. Il s'est pardonné lui-même. Viņš piedeva pats sev. Il s'est fait du bien à lui-même. Un viņš sāka darīt sev labu. Il lui a dit, oui, c'est grave. Viņš teica, jā, tas ir smagi. Mais tu vas y arriver. Bet tev izdosies, tu tiksi ar to galā. Sois courageux. Es esi drosmīgs un tev izdosies. Avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Ar Dievu palīdzību mēs tiksim ar to galā. C'est ainsi qu'il a guéri. Un tādā veidā viņš arī tika dziedināts. C'est génial, non? Vai tas nav brīnišķīgi? N'ayons pas peur. Nebaidīsimies. Le Christ ne nous laisse pas un seul instant. Kristus mums nepamet nevienu mirkli. Et l'Esprit Saint aussi. Un svētais gars arī.
Je ne sais pas comment il fait. Es nezinu, kā viņš to dara. Pour être avec chacun d'entre nous. Lai ka viņš ir ar katru no mums visu laiku. Je peux pas l'expliquer avec mon intelligence. Es ar savu saprātu to izskaidrot nevaru. Mon intelligence analytique ne comprend rien à ça. Mana analītiskā spēja to nesaprot. Mon intelligence scientifique, mathématique ne peut pas comprendre ça. Zinātniskās un matemātiskās prāta spējas to nespēja izskaidrot. Comme on le comprend pas, on ne le croit pas. Un bieži vien, kad ko mēs nesaprotam, tam mēs neticam. Je décide ce que je crois. Bet es izlēmu, kam es ticu. Et du coup, je vois Dieu à l'œuvre. Un tad es ieraugu Dievu darbībā. Je ne sens pas qu'il est avec moi. Es nejūtu, ka viņš ir ar mani. Mais je le vois à l'œuvre dans ma vie. Bet es redzu viņa darbus savā dzīvē, viņa darbībā. Vai nav tā? N'est-ce pas? Il agit réellement. Viņš patiešām darbojās. Et alors je dis, ah, un es il était là. Ah, viņš te bija. Ah, c'est vraiment lui. Tas tiešām ir viņš. Je savais pas. Un es pat nezināju. Il était là, mais je le savais. Viņš te bija, un es to, bet es to nezināju. Maintenant, je le sais. Bet tagad es to zinu. Mais après, j'oublie. Bet tad es aizmirstu. Mais après, je le sais. Bet tad es to zinu. Et après, j'oublie. Tad es kol aizmirstu. Et l'Esprit Saint est là. Svētais Gars ir te. Il a dit qu'il nous a été donné pour nous rappeler toutes choses. Un ir teikts, ka Svētais Gars mums ir dots, lai atgādinātu visas lietas. Pour que nous fassions mémoire de lui. Lai mēs atcerētos par viņu. Il faut que nous guérissions dans notre mémoire. Un mūsu atmiņai ir jātiek dziedinātai. C'est encore une puissance de l'âme. Un tā arī dvēseles spēja. La mémoire. Atmiņa. Elle doit guérir. Un tā jātiek dziedinātai. Parce que notre mémoire, elle nous a été donnée. Jo mūsu atmiņa mums ir tikusi dota. Pour que nous sachions que Christ est toujours avec nous. Lai mēs zinātu, ka Kristus vienmēr ir mums klāt. Que le royaume s'est fait tout proche de moi. Ka Dieva valstība ir kļuvusi mums tik tuvu. Que je suis une citoyenne du royaume. Ka es esmu Dieva valstības pilsonis. C'est dans la mémoire que je sais ça. Un savā atmiņā es to zinu. On dit, compte tous les bienfaits de Dieu. Un ir teikts, Psalmos, atceries visus Dieva brīnumdarbus. Tu verras. Un tu redzēsi. Combien ils sont nombreux. Cik tev ir daudz. Il faut. Bet vajag atcerēties, veikt šo atmiņu. Vous allez faire mémoire que le 1er septembre. Un jūs atcerēsieties, ka piemēram 1. septembrī 2014. gadā kaut kas notika. Et on va y penser, on va faire mémoire. Un jūs par to atcerēties. Oui, je sais ce jour-là. Tajā dienā. Dieu m'a délivré. Dievs mani atbrīvoja. Dieu m'a enseigné. Dievs mani mācīja. Dieu m'a persuadé de sa présence. Dievs man pārliecināja par savu klātbūtni. Et je veux... C'est demain 1er... Ah, 30... Rīt, laikam, 1. Tad 31. augustā. Kāds tā bija? Voilà, c'est important. Tas ir svarīgi. Atmiņa. Mais notre mémoire est complètement malade. Bet mūsu atmiņa ir pilnībā slima. Très malade. Ļoti slima. Parce que nous avons enfoui beaucoup de souvenirs. Jo mēs esam sev ielēduši daudz atmiņas. Particulièrement les souvenirs douloureux. Īpaši norikuši sāpīgās atmiņas. Et on les a fait descendre. Mēs tā likām nokāpt, nokāpt. Et on a fermé. Un visu to noslēdzām. Et s'ils reviennent. Un ja tās izlien ārā, atkal mums piedzam. On leur dit, retourne d'où tu viens. Atgriezies, no kurienes tu nāc, mēs viņām sakām. Et la vraie guérison intérieure, un īsta iekšējā dziedināšana, c'est la guérison des souvenirs douloureux. Tā ir šo sāpīgo atmiņu dziedināšana. Tous nos souvenirs douloureux doivent être traités par le divin médecin. Un visām mūsu sāpīgajām atmiņām ir jābūt dievišķā ārsta, nu tā kā ārstētām, izārstētām. Car il est le consolateur. Jo viņš ir mierinātājs. Et si nos souffrances ne sont pas exposées à sa consolation. Un ja mūsu ciešanas nav izliktas viņa mierinājuma priekšā. Et si nous espérons que le temps va nous faire oublier. Un ja mēs ceram, ka laiks liks mums aizmirst. Peut-être que nous oublierons un peu. Varbūt mēs drusciņi aizmirsīsim. Mais le temps n'a aucun pouvoir. Bet laikam nav nekādas varas šādas. Pour pardonner nos péchés, lai piedod mums mūsu grēkus vai citu grēkus. Le temps n'a aucun pouvoir. Laikam nav šādas varas.
Dieu seul a ce pouvoir, n'est-ce pas? Dievam vienīgajam ir šāda vara. Mais nous comptons sur le temps. Bet mēs tā kā paļaujamies uz laiku. Plus tard, ça ira mieux. Vēlāk ir ies labāk. Chaque souvenir douloureux katra sāpīga atmiņa, que nous essayons d'oublier, ko mēs mēģinam aizmirst, devient un poison dans nos vies. Kļūst par indi mūsu dzīvē. Et alors, nous demandons, pourquoi suis-je dépressif? Un tad mēs to jautājam, kāpēc es esmu tāds nomāks depresīvs? Pourquoi suis-je tout le temps en colère? Kāpēc es visu nemitīgi esmu dusmīgs, dusmās? Pourquoi je me sens si faible face à la tentation? Kāpēc es jūtos tik vājš kārdinājumu priekšā? Pourquoi est-ce que je pêche si facilement? Kāpēc tik viegli es grēkoju? C'est parce que j'ai des souvenirs qui ne sont pas guéris. Tas ir tāpēc, ka man ir atmiņas, kas nav tikušas dziedinātas. Il faut avoir un peu de courage. Un ir vajadzīga drosme. Dans les jours qui viennent, si vous le voulez bien. Dienās, kas sekos, ja jūs vēlaties. L'Esprit Saint va vous mettre en lumière ce qui est caché. Svētais gars nāks un jums uzrādīs to, kas ir bijis apslēpts. Et vous ne serez pas d'accord. Un jūs negribēsiet tam piekrist. Parce que vous avez peur de la souffrance qui va avec le souvenir. Jo jums ir bail no tām ciešanām, kas ir iet līdzi ar šīm atmiņām. Courage. Drosmi. Vous n'êtes pas tout seul. Jūs neesat vieni. Vous allez le faire avec le Christ. Jo jūs to darīsiet dans kopā sa présence, ar Kristu. Viņa klātbūtnē. Le souvenir revient. Atmiņas atnāk. Pendant votre travail. Jūsu darba laikā. Pendant que vous marchez. Kad jūs ejat. Pendant que vous faites la vaisselle. Mazgājat traukus. Ou pendant que vous dormez. Vai pat guļat. Des rêves qui viennent. Sapni, kas ir pēkšņi atnāk. C'est vrai. Jā, pēkšņi, jā, tāds ir. Au lieu d'avoir peur. Un tā vietā, lai nobītos. Et d'essayer d'oublier à nouveau. Un mēģināt atkal aizmirst to visu. Vous allez affronter. Jūs stāsieties pretī tam. Et vous allez prendre ce souvenir. Un paņemsiet šīs atmiņas. Entrez dans ce souvenir. Ieiesiet šajās atmiņās. Et chaque fois qu'un souvenir vient, ikreiz, kad nāk kāds atmiņas, vous avez l'obligation, jums ir pienākums, non seulement de faire mémoire de ces événements, ne tikai atminēties šos notikumus, mais de faire mémoire en même temps que Jésus est présent dans l'événement. Bet atminēties to, ka Jēzus ir klātesošs šajā brīdī, tajās brīžos ir bijis klātesošs. C'est là que l'imagination nous sert. Un tur mums iztēle palīdz. Elle va aider la mémoire. Viņa palīdzēs atmiņai. Je vais voir dans la scène qui me fait tellement mal. Es gribu ieraudzīt šajā situācijā, kas man ir bijis tik ļoti sāpīga. Jésus. Jēzu, kas ir klātsošs. Un es viņu tur redzu. Je vois ce qu'il fait. Un es redzu, ko viņš dara. Je vois qu'il pleure avec moi. Un es redzu, ko viņš raud kopā ar mani. Je vois qu'il est contre moi. Es redzu, ko viņš ir mani piedrāks pie sevis, un ko viņš mani tik tu. Il était là, mais je ne savais pas. Viņš tur bija, bet es nezināju. Mais ma mémoire et mon imagination bet mana atmiņa un mana iztēle palīdzēs man to zināt. Et d'en faire l'expérience vraie. Un piedzīvot quelque chose de réel. Tas ir kaut kas reāls, īstens. Et alors, dans la présence du Christ. Un Kristus klātbūtnē. Le Père nous envoie sa consolation. Tēvs sūta mums savu mierinājumu. La consolation. Mierinājumu. C'est tellement important. Un tas ir tik svarīgi. Et donc, nous, en tant que chrétiens, mēs kā kristieši, voulant devenir adultes en Christ, mēs gribam kļūt pieauguši Kristu, nous devons avoir le courage d'affronter nos vies, un mums ir jābūt drosmei, paskatīties acīs savai dzīvei, iet līdz galam, et d'accepter tous ces événements de nos vies qui ont été très douloureux, visus tos dzīves brīžus, kas mums ir bijuši tik sāpīgi, de les revivre en présence du Christ, izdzīvot tos Kristus klātbūtnē, qui lui donne enfin un sens à ce qu'on a vécu. Un, lai viņš visbeidzot dod jēgu tam visam, ko mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē. Il n'y a pas de chose qui dépend du hasard. Un nekas nav tāds nejaušība, nekas mūsu dzīvē nav bijis nejaušība. Si nous lui donnons chaque événement de nos vies, ja mēs viņam atrodam katru mūsu dzīves mirkli notikumu, il va les transformer. Viņš tos pārveidos. Quelque chose d'extraordinaire peut se passer. Var notikt kaut kas ļoti, ļoti neparasts īpašs. Et ce qui nous semblait affreux, horrible, un tas, kas mums likās pretīgs, dievīgs, va devenir dans ses mains, kļūs viņa rokās, un trésor, par dārgumu. Si je vous parle aujourd'hui, piemēram, ja es jums šodien ar jums vispār runāju, je ne vous parle pas à partir de mes vertus. Es nerunāju te, izējot no saviem tikumiem. Parce que je suis une femme merveilleuse. Tāpēc, ka es esmu tik brīnišķīga sieviete.
C'est parce que j'ai beaucoup péché. Bet tāpēc, ka es esmu daudz grēkojusi. Daudz. Et que je t'ai pardonné. Bet ka man ir ticis piedots. Et que Dieu a fait de mes péchés des trésors dans mes mains. Un ka Dievs šos grēkus ir pārveicis par dārgumiem manās rokās. Et je voulais jeter. Mēs tos ķerietos. Comprenez ça? Vai jūs to saprotat? Ça, c'est le pouvoir de Dieu sur nos vies. Un tā ir Dieva spēks, viņa vara mūsu dzīvē. Et il faut utiliser ce pouvoir de Dieu sur nos vies. Izmantot šo Dieva spēku. Il est réel. Tas ir reāls. Et il le fait réellement. Viņš to tiešām viņš ir un trésor au-dessus de la tête. Un man ir brīnišķīgs dārgums uz galvas. Je suis la plus riche du monde. Es esmu visdārgāk. Dans la banque du ciel, j'ai mis tout. Es esmu ielikusi visu savu darbu debes bankā. C'est pas mes vertus. Tie nav man tikumi. C'est mes péchés pardonnés qui sont mes valeurs. Tie ir mani piedotie grēki, kas ir man dārgumi. Ah, je ne fais pas exprès de péché pour avoir des valeurs. Protams, es negrēkoju speciāli, lai man būtu kāds dārgums. Mais je suis comme tout le monde. Es esmu kā visi cilvēki. J'ai fait des choses graves dans ma vie. Es esmu darījusi smagas lietas savā dzīvē. Mais le Seigneur peut vraiment se servir de ces choses pour bénir les autres. Bet Dievs var lietot šīs lietas, lai pēc tam. Je suis très heureuse parce que ma vie misérable est triste. Un, jo mana nožēlojumā un bēdīgā dzīve. Il en a fait une histoire sainte. Ka viņš to ir pārvērts par svētu. À cause de son sang. Par savu asiņu dēļ. À cause de son sacrifice. Ça ou pour des. Et donc mon histoire peut être une histoire prophétique. Var kļūt par pravietisku. Qui bénit le peuple autour. Kas svētīja tautu un cilvēkus apkārt. Vous comprenez? Vai jūs to saprotat? Et vous aussi. Un jūs arī. Votre histoire. Jūsu dzīves stāsts. Même et surtout si elle a été très difficile. Un pat un īpaši, ja tas ir bijis smags. Dieu va en faire une prophétie. Dievs to pārvērtīs pravietojumā. Pour les autres. Citiem. Ok? Amen. Vous voulez bien ça? Vai jūs to vēlaties? Il faut le croire absolument. Vajag tam ticēt. Absolument. Obligāti. Parce que nous vivons dans notre chair. Jo mēs dzīvojam savā miesā. Les choses que nous devons annoncer. Tādas lietas, kas mums būtu jāsludina. Moi, je ne vous dis pas ces choses comme ça parce que je sais qu'il faut les dire. Es jums to nesaku, tāpēc, ka es zinu, ka tas būtu jāpasaka. Je vous parle de ce que je vis. Es jums runāju ar to, ko es esmu piedzīvojis. De ce que j'ai vécu. Kas ir bijis man dzīves pieredze. Je vais pas vous parler de ce que je ne vis. Un es jums nestāstu par to, ko es nedzīvoju. Et vous aussi, vous devez faire la même chose. Jums tāpat jādara visapkārt. Amen.